moment, t'es peut-être en train de scruter tous les jours sur le bon coin, à la recherche de la perle rare, ou alors t'as déjà ton camion, t'as déjà ton van, et t'es en train de regarder 40 tutos YouTube par jour pour trouver l'aménagement parfait. Et pour rester motivé, ben, t'alternes ça et des photos, des vidéos de vanlifers qui ont des vues incroyables en drone ou des plans où ils courent au ralenti sur la plage. Et après toutes ces années un petit peu fades et moroses, ben, t'as qu'une envie, c'est de tout plaquer pour partir les rejoindre. Là-bas. Beau pays, la vanlife. Ok. Mais juste avant, il faut qu'on parle, toi et moi. Prends une grande inspiration. Ça va aller. Dans les livres, dans les films, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans l'imaginaire collectif, il y a très souvent un fantasme de vie de liberté qui se cristallise comme ça autour du van ou des modes de vie alternatifs. Et il y a très souvent quelque chose qui te laisse croire que ça tient de l'objet en lui-même, qui a comme ça une espèce de magie, et qu'une fois que tu l'auras acheté, que tu l'auras obtenu, eh ben, t'auras toute la vie rêvée qui va avec. En fait, c'est le même ressort qui est utilisé dans les pubs pour te vendre une voiture, du parfum, ou même du thé. Avant, j'étais simple stagiaire. Mais depuis que je bois du thé, t'es le boss. J'ai pu racheter tout le système solaire. Et une belle chemise bleue. Avec le thé, t'es le boss. Deviens maître du cosmos. Te fais pas avoir. Le rêve est jamais vendu avec la carte postale. Avoir un van, c'est juste avoir un van. Alors faut pas que ça soit une fin en soi, parce qu'en fait, c'est juste une étape. Pas la peine qu'il soit fantasmé pendant des années, parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu vas en faire après. Quand tu demandes à n'importe qui, c'est quoi ta vie ? Il va jamais te répondre quelque chose du genre... Moi, je vis dans une maison. Je vis la house life. Ça n'a pas de sens, ok ? Personne dit ça. Si, moi, je le dis. Assez souvent, même. Bon, ben ok, Alan le dit, mais sinon, il y a vraiment personne d'autre, quoi. Si t'habites dans un van, un camion, une tente quechua, une maison, en fait, c'est pas vraiment ça ta vie. Les Indiens, du coup, ils vivent pas la tipi life ? C'est pas genre des tipi lifers ? Non. Ah ouais, non, mais trop déçu, en fait. Attends, mais ça veut dire que les Esquimaux, c'est pas des igloo lifers ? Non plus. Y a pas de généralité possible, en fait. Ça serait aussi ridicule que de dire « Bon, ben toi t'as un appart, ton voisin de palier il a un appart, bah vous avez la appart life quoi. » Bah non. Alors, vous avez probablement pas du tout les mêmes vies. Et c'est parce que ben, vos appartements sont vos habitats, sont pas vos vies. Et ben pour les gens en van, c'est pareil. Leur van, c'est leur habitat. C'est pas leur vie. Ouais, mais quand même, c'est des hippies. Pas forcément. Des punks à chiens. Pas forcément. Bah, ils aiment quand même être dans la nature. Pas forcément. Ils aiment voyager, non ? Pas forcément. En tous les cas, ils sont obligés d'être minimalistes. Pas forcément. D'ailleurs, choisis. Pas forcément. Ouais, mais ils vivent à l'année dans leur van. Pas forcément. Ils aiment être libres. Bah, qui aime pas être libre ? Ah ! Voilà ! Ah ! Alors, beaucoup s'imaginent que partir en van, bah, c'est aller à la plage et compter les vagues. Et je veux dire, c'est ok de partir à la plage. Hein. Moi-même, j'ai beaucoup traversé ces moments un petit peu contemplatifs, hors du temps. Mais bon, au bout d'un moment, tu risques quand même de t'ennuyer, non ? Même dans la perspective où t'étais riche comme Crésus et que tu pouvais te permettre de rester toute ta vie en vacances, je pense que psychologiquement, ça serait pas tenable. Oh, je suis sûr que je tiendrais le choc. Vacances, ça dérive de vacants, ce qui reste à remplir. Donc en gros, il faut que tu trouves quelque chose qui te remplisse. En plus, le bonheur, il est sourd. Il n'entend pas quand tu l'appelles. C'est pour ça qu'il faudra que tu ailles le chercher. Bonheur ! Bonheur ! Ok, c'était juste pour être sûr. Le fait de changer d'environnement peut nous aider à changer de vie. Ça, c'est certain.
mais c'est pas automatique. Vivre en van, en camion, ne peut potentiellement rien changer de fondamental à ta vie. Surtout si ton confort se rapproche de celui de ton ancien logement et que t'as emmené toutes tes habitudes avec toi. Combien de personnes qui, avant de partir, passaient toute leur vie sur leur smartphone ou devant la télé et qui, une fois partis, passaient autant de temps devant, mais à l'intérieur de leur van, de leur camping-car, de leur caravane ? Bien que l'addiction aux écrans, quand tu vis seul sur la route, c'est vraiment pas évident et ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Tout ça pour te dire que tout ne va pas changer du tout au tout, juste parce que tu es parti. Et encore heureux, il y a peut-être des habitudes que t'as dans ta vie actuelle et qui te plaisent et que t'aimerais bien transposer dans ta vie sur les routes. C'était important pour moi qu'on puisse mettre tout ça à plat, pas pour te décourager, hein, mais pour avoir de bonnes bases pour pouvoir construire la suite. Et que tu te retrouves pas à traverser les mêmes désillusions que moi, à errer dans ton van sans savoir quoi faire. Garde en tête que ton habitat, ça peut définir les contours, les limites de ta vie, surtout en ce moment. Mais ça pourra jamais la remplir à ta place. Partir vivre sur les routes, c'est pas juste un joli van et des photos Instagram avec des hashtags vanlife. C'est beaucoup plus que ça, c'est une vie à réécrire avec des millions de voix possibles. Et si tu sais pas encore laquelle est la tienne, c'est pas la fin du monde. Et le confinement, c'est peut-être un bon moment pour essayer de trouver une piste ensemble. Ah. C'est l'heure de la FAQ, je crois. Bon, il y a beaucoup de questions pour cette FAQ, je vais essayer d'y répondre le plus succinctement possible. Alexandre qui commence et qui demande « Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite à se lancer car elle a peur de se retrouver seule ?» De bien suivre cette chaîne parce qu'on va en parler de la solitude en van très prochainement. Ensuite, il y a une question de Imed qui demande « C'est quoi le nom de ta caméra et comment t'as fixé le bois dans le toit ?» Ah oui, donc tu parles du coffre du toit du Kangoo. Bon, ça, je peux pas te répondre en 5 minutes tout de suite. Par contre, ma caméra, ce que j'utilise quand je suis dans le Kangoo, c'est ce petit compact. Voilà, c'est le G7X Mark II de chez Canon. Et en deuxième caméra, pour le studio, entre guillemets, ce que j'utilise, c'est le Canon 70D, un vieux réflexe familial de chez Canon, et avec lequel j'arrive à bricoler 2-3 trucs. Pour faire mes films, j'aimerais vraiment passer à quelque chose de plus actuel, hein, pour pouvoir aller plus loin et t'emmener sur Saturne avec. Voilà. Ensuite, on a une question de Samir qui demande « Explique-nous, s'il te plaît, pourquoi le sans pub avec le Tipeee, j'ai pas tout bien compris. » En gros, Samir, sur YouTube, quand tu utilises une musique, t'as besoin de payer l'artiste qui a fait la musique, ce qui est normal. Et ce que faisait YouTube jusqu'ici, c'est qu'il rajoutait des pubs sur mes vidéos pour, avec l'argent de ces pubs, rémunérer les artistes. Moi, ça me va pas trop ce système-là, je préfère payer l'artiste directement, mais j'ai pas trop les moyens. Du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert le Tipeee. Et les gens qui me soutiennent, du coup, m'aident à ça, m'aident à payer en personne directement l'artiste. Mais ça m'aide pas qu'à ça, hein. Le Tipeee ça m'aide aussi à payer l'abonnement internet nécessaire pour uploader la vidéo, l'accès à de l'électricité dans des bars, dans des cafés pour pouvoir me brancher, pour pouvoir monter. Ça m'aide à payer l'abonnement au logiciel de montage, ça m'aide à beaucoup beaucoup de choses en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert ce Tipeee. Ensuite on a une question de Gisèle qui demande « Pourras-tu quand même cet été continuer les rendez-vous du ciel dans les villes après le confinement bien sûr ?» Eh bien écoute, j'en sais rien. Ça a l'air très incertain jusque-là, donc je peux pas te répondre tant que j'en sais pas plus sur la suite des événements. J'aimerais bien, mais malheureusement, j'y crois pas trop. Et ça répond aussi à la question de Flopé, qui m'avait raté l'année dernière, voilà. Donc c'est incertain. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Si jamais t'en as une aussi, n'hésite pas à la laisser en commentaire. J'y réponds dans la prochaine. Et je te répète que si jamais tu veux voter pour le sujet de la prochaine vidéo, tu peux aller sur Tipeee pour le faire. Et je te rappelle, t'as pas besoin de me soutenir spécifiquement pour pouvoir voter. Le lien est dans la description, je te laisse regarder ça. D'ici là, salut, prends soin de toi.